Par contre, je suis dans une map que j'aime pas du tout. Ah mon dieu. Et là, je suis dans le monde des rêves. Les petits survivants. Ah, ils ont laissé des petites traces ou nettes par ici. Oh, vous vous êtes caché juste ici. Et là, je l'emmène dans le monde des rêves. Hop, et je peux le toucher que à partir de maintenant. Sinon, autrement, je ne peux pas. Là, elle me voit une fois que je suis passé en transition. Sinon, je suis invisible pour eux. Mais complètement invisible. Et autre chose très drôle, c'est que si elle sort de mon aura de terreur, je vois son aura quoi qu'il arrive. Oh, elle est trop courte, monsieur. Nine, nine. Ok. Non mais je te vois, t'es caché. Juste derrière là, je te vois. Je te vois encore. Et je t'aurai. Et le petit symbole en bas à gauche, donc sur... Ok. T'as fait le tour juste ici. Je vais te choper, mon petit gars. T'es juste caché là. Hein. Je sais, je le vois. T'es juste ici. Je vais t'entendre faire... Voilà, tu vois. Elle est dans le monde des rêves, du coup je la vois en dehors de mon aura de cauchemar. Et là, elle va essayer d'activer un QTE pour sortir du monde des rêves. Ce qui ne va pas être possible. Pas être... possible. Non, 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 non. Ah, oui, enfin. Je vais te donner ton éternelle récompense. Ouais, des gens qui réparent des moteurs pas loin. Ok. Oh, juste au pied du crochet, ça c'était grave. Et là, une fois que je l'ai pendu, eh bien, elle est sortie du monde des rêves. Parce que c'était un choc traumatique qu'elle a subi. Mais, ok, eux, ils laissent des traces de fifou. Ok, descendu. Nickel. Hop. Ok. Bonjour. Oh non, ça s'est joué à une seconde. Ah, c'est très bien ça. Yes. Ok. Juste ici, tu n'as pas gardien de sang. C'est très fort combiné. Non, j'ai pas gardien de sang. Par contre, je retire le sien. Le croc de boucher, ça réveille. Oui, c'est culturel. Non, tu fais quoi? Et bah oui, mais le... cette énorme pince qui réveille. Oui. Et là, celui que j'ai pendu à un crochet, j'ai pris un objet qui fait que je peux utiliser ce qu'on appelle le memento. C'est un objet assez rare qui fait que si je le recroise et que je l'aligne par terre, je vais pouvoir l'exécuter moi-même. Où sont-ils? Où sont-ils? Ce moteur est-il en réparation? Non! Ici, celui-là, non plus. Est-ce que quelqu'un va aller l'aider? Je ne sais pas du tout. Ah. Attends. Ok, ils sont là? Je les vois pas. Ok, ils doivent être en face en fait, parce qu'il ne reste pas beaucoup de moteurs. Ouais, ils sont là. Ah mon dieu, la porte elle est bloquée! Ah, je vais aller l'exécuter. Salut. Ben oui. Bonjour. Oui, bonjour. Ok. Non, non. Par contre, les cris de souffrance, c'est des cris inspirés de la vie des développeurs. Parce que... Non.
C'est un peu comme quand il y a des quand dans les jeux vidéo ils font des tests pour faire des bruitages. Hein. Elle par exemple, je vais pouvoir l'exécuter direct. Hein. Non, non. Ça ne me plaît pas trop. Là, ils ont quitté mon périmètre. Ouais, elle est là. L'autre est là. J'arrive, on se donne rendez-vous juste ici. Salut, ça va? Hello. Si elle tombe à terre, je peux l'exécuter moi-même. On va voir le memento. Très... Fais tomber la planche. Voilà, hop là. Très bien, parfait. Et l'autre est ici. Non. Au moins que je fasse le memento pour vous montrer à quoi il ressemble. Ouais. Ah. Non, 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 non. Non, mais t'es... Mais tu joues au chat et la souris avec moi, là. Alors, et si tu tombes à terre, je vais pouvoir t'exécuter direct. Et ça, ça va être agréable. Parce que on aime les plaisirs simples de la vie. Des plaisirs nommés Sheba. Oh, elle, elle avait une paire qui lui a donné un coup de boost. Laisse-moi te tuer. Il faut que je monte au public. Faut que je fasse plaisir. Oui, je vois à travers. Voilà. Je vois à travers les murs. Absolument. C'est-à-dire que quand il est emmené dans... voilà. Quand il est emmené dans... Salut! Comment ça va? Hello, toi aussi! Bonjour, messieurs, dames! Oui! Alors! Et là, j'ai une compétence qui est un peu fumée qui fait qu'une fois... qu'ils ont... Une fois qu'ils ont... Yes! Activé les 5 moteurs, il suffit d'une seule touche pour les mettre au tapis. Non, non, non! Non! Bah alors! Les petits canaillous! Ah non, mais t'es coincé! Tu vas faire? Attends. Non, je veux pas t'attirer dans le rêve. Ah, voilà. Toi, je t'avais déjà accroché. Adieu. Donc, c'est un massacre. Là, c'est un massacre. J'utilisais des gros objets. Voilà. Et je les vois à travers transparence. Voilà. Bonjour, les petits poussins. Oh. Eh bien, alors, fais tomber la planche. Est-ce que ça sera suffisant? J'ai un doute. Et là, c'est sale parce que j'ai utilisé les pires trucs que j'aurais pu. Et bien, c'est le soigner, il fait le tour. Et forcément, le tueur est toujours un peu plus rapide que le survivant. Et ils ont fait tomber plein de planches. Ouh. Et donc voilà, c'est extrêmement violent, quoi. C'est extrêmement violent. Le personnage est assez rigolo. Oh oui, oh une petite... hop là, très bien. Tac. Voilà, ça c'est mon totem qui indique que mon sort est activé. Et le deuxième, je sais pas où est-ce qu'il est parce qu'il est dans mon aura de terreur. Il faut que je m'éloigne un peu parce qu'il est dans le monde des rêves en fait. Il est dans la critique, il est dans le monde des rêves. Donc en m'éloignant, voilà, je vois par transparence où il est. Et ça rend la combinaison extrêmement dégueulasse que j'ai utilisée. Ah bah non, tu es à moi. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, les cerises, c'est bon. Ah. Et voilà. Et c'est un peu sale. J'ai l'impression d'avoir... de faire de l'air. Ah. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est un tueur qui est un peu expéditif. Et à niveau moyen, les survivants, ils ont peu de chance, quoi. 4, 5, 6, les perce par tous les orifices. Absolument. J'adore le gruyère.
Donne-moi d'abord ta vie. Alors, est-ce vraiment raisonnable? Tendons l'oreille. Tendons l'oreille. Aucun moteur par ici, un autre moteur qui va se faire réparer dans quelques secondes. Je te vois. Ok. Bim. Tu as vraiment fait le tour en croyant que je ne te verrai pas. Tu... Salut, beauté. Ah, Avada Kedavra. Bien vu. Est-ce que ça va être suffisant? Je te vois juste ici. Coucou. Vraiment? Je te vois toujours. Ah mais non, c'est pas le même. Eh bien, dis donc. Oui. Avada Kedavra. Est-ce que ça sera suffisant? Dis-moi, princesse. Sais-tu parler avec ton cœur? Oh, salut, Kelena. Ok. Un memento. Hop. Yes. La 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 la. Non. Salut. Ok. Décrochez-le. Qu'on en finisse. Pas à gauche. Il est pas à gauche. Ok, tu peux passer par là. Fais tomber la planche. J'arrive. Que quelqu'un le décroche. Oh non, il est tellement proche de moi. Bonjour. Oh. Salut. Ah Dieu, transmets un message aux autres. J'arrive. Ah, tu veux vraiment m'aveugler là? Ah non. Très bien, tu veux juste éclairer sa mort. Parfait. Ok. Oh, c'est tellement formidable ce que c'est. Ah, tu essaies de l'attirer. C'est une excellente idée. Nous arrivons tous, t'inquiète pas, pour ce chemin. Non, je ne t'ai pas vu, je ne t'ai pas... Enfin, si, je t'ai vu, mais ceci était une blague, parce que j'adore l'humour. Et j'aimerais en faire profiter ton cadavre. Oh non! Oh, c'est tellement pas de bol! Ah, c'est moche! C'est tellement moche! Non, tu vas pas m'aveugler! Non, non, non! Non, 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 non! Où sont-ils?
Elle est juste ici à tous les coups parce que il lui a demandé de se rapprocher. Est-ce que elle est restée dans le coin? Oh, c'est trop gentil, Shait. Ok. Libère-le. 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 Ok. Était-ce vraiment nécessaire? Eh oui, aveugle-moi. Aveugle-moi. Non. Aveugle-moi. Très bien, l'autre côté. Hop là, j'arrive pas là. Rendez-vous en face. C'était très 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 mauvaise idée. Oui, fais tomber la planche. Ah! Tu vas bientôt plus avoir de lampe. Et oui, tu n'as plus de lampe. Et pourtant, je t'ai demandé de me la donner. Ok. Mais on est dans le rêve, ça me permet de pouvoir les blesser parce que quelqu'un, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout, du tout. Ok. J'arrive. Vous en rendez-vous en face? Ou pas? Moi, je crois que les autres s'en fichent, parce que sinon ils feraient pas des signes de bras. Ok. Tu te caches où? Oh! Bonjour mon cher Memento! Coucou! 3, 2, 1, 0! Oh! Transmet un message. J'arrive. Asilele. Ha. Hele. Rehe. Je connaissais pas la chorégraphie de la sketcher. Où est-ce que vous êtes? La vie se réduit à peau de chagrin. Bonjour. Oh, zut alors. Oh, mince. Fiche Trounet. Scheisse. Fais tomber la planche. Oups. Ah bah dis donc. Donne-moi d'abord. Hello. Ok. Paf. Où est l'autre? Bon, elle est dans le périmètre. Elles peuvent pas se réveiller l'une l'autre. Il y a la planche qui est tombée ici. Oh, je ne t'ai pas vu. En fait, si, j'adore l'humour. Donne-moi d'abord ta lampe. Oh, t'as tellement pas de bol de pas avoir de... Mais, non, mais pourquoi tu fais ça? J'ai pas compris. Yeah, j'arrive.
Oh, ça a vraiment valu le coup, hein. Non mais... Oui, ça va, ça va. Ça va. Est-ce que tu as la trappe par ici? Si tu as la trappe, c'est rigolo. Oh là là. On va tenter un truc. Ok, 4% de chance. 4% de chance. Si tu te libères, je ne la tue pas. Envole-toi, petit hand spinner. Non, 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 non. Oh là là, pas la caméra.